les partisans du revenu de base soulignent que cela permettra aux gens de vivre de manière décente sans avoir nécessairement avoir un travail qui n'est pas forcément épanouissant et donc cela libérera des énergies créatrices. Les opposants soulignent que le travail est un facteur d'intégration, mais surtout soulignent le coût substantiel de cette initiative, puisqu'en fait, il s'agirait de donner à chaque adulte en Suisse 2500 francs par mois et à chaque enfant 625 francs par mois, qui sont des montants assez substantiels. Je suis pour ma part plutôt du côté des opposants. Le coût de cette initiative est très élevé, et cela même si on se dit que pour la plupart des gens, ces 2500 francs, finalement, ils les toucheraient sous forme de revenus inconditionnels plutôt que de salaire. Donc on change l'étiquette. Mais changer l'étiquette change beaucoup, puisqu'en fait, le revenu de base, on le perçoit quoi qu'on fasse. Si mon patron décide de me payer le même montant que je vienne au travail ou pas, je pense que je n'ai pas continué à travailler à 100%. Un autre aspect que les partisans soulignent est qu'avec la révolution technologique, bien des emplois vont être détruits et qu'il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Certes, nous vivons dans un monde où la technologie avance, mais c'est de loin pas la première fois. Nous avons eu des révolutions industrielles très fortes. Des emplois ont été détruits, mais d'autres ont été créés. Imaginez aller en 1960, disons, et dire à quelqu'un que nous allons avoir l'Internet, que nous allons avoir des téléphones portables qui font plein de choses. Cette personne aurait été horrifiée. Elle aurait pensé qu'il n'y aurait plus du tout de travail et que nous aurions un chômage de masse. Or, ce n'est clairement pas le cas. L'avenir est incertain, mais ce n'est pas la première fois que nous devrons nous adapter et il n'y a pas de raison de penser que ce soit impossible cette fois. Donc le revenu de base, finalement, ne résout pas ce problème.